Salut, bienvenue sur toutsaucœur.com. Après une brève interruption d'une quinzaine de jours, la PLSQ revient sur toutsaucœur.com. Vous allez assister aujourd'hui au match opposant l'équipe de Brossard contre l'équipe de Saint-Léonard. Allez, suivez-moi, c'est parti, on y va.
les deux joueurs, donc le vainqueur de la journée et puis malheureusement le perdant de ce jour. Alors Simon, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Bah écoute, c'était un match difficile pour nous autres. On manquait beaucoup de joueurs titulaires, quoi, mais c'est pas une... c'est pas une excuse, tout simplement. Pour ça, jouer un bon match. On a fait quelques erreurs dans le milieu de terrain où on ne peut pas perdre des ballons en matière défensive. Et quand on a une bonne équipe, ils vont marquer des buts. Ok, Nicolas, justement, Simon disait qu'ils ont perdu pas mal de ballons dans ce milieu de terrain. Vous avez su en profiter par la vitesse de joueurs comme Cédric. Est-ce que c'était une consigne du coach, ça, justement? En fait, on savait que c'était un match qu'il fallait qu'on gagne au milieu de terrain. Il fallait qu'on joue très défensif. On a subi, puis on a su... marqué sur nos contre-attaques. Pour notre système de journée, les ballons rentraient. Ok, la volonté, elle était principalement de laisser le ballon à l'équipe de Bourassa. C'est ça, c'était plus de les attendre, puis attendre l'erreur, puis on se fait engager l'attaque. On avait 8 titulaires d'absents aujourd'hui, on avait 3 gars de la charnière défensive qui étaient absents, donc on a dû un peu remodeler un peu la ligne défensive et puis l'alignement, mais je pense que c'est pas une raison ou quoi que ce soit de la défaite d'aujourd'hui. Je pense que sur un 10 minutes en fin de première mi-temps, de la 35e à la 45e, on a perdu des ballons au milieu de terrain, puis ils nous ont punis à 2 reprises. Okay. Mais justement, c'est drôle ce que tu dis. Moi, j'ai fait un petit constat. C'est en étant à 10 contre 11 que justement, j'ai eu l'impression que vous avez mieux joué, vous avez été capable de porter ce ballon vers le but que à l'inverse de la première partie. Justement, c'était un jeu plus direct. Ouais, je pense que ce qui arrive, c'est qu'en deuxième mi-temps, c'est que bon, ils ont un résultat, donc ils cherchent à le protéger un peu. Nous, on n'a plus le choix, donc on pousse des joueurs vers l'avant. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au moins, je suis content qu'au moins qu'en deuxième mi-temps, on a entrepris la deuxième mi-temps avec le bon esprit. Oui, tout à et fait. Puis pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, je pense qu'ils nous ont pris en contre-attaque, ce qui est un peu la logique du jeu, mais on a été complètement dans leur mi-temps pendant la deuxième 45 minutes. Puis à 10, je pense que l'esprit des joueurs a été ce qu'il était, mais bon, on n'a pas su mettre le ballon au fond du filet. Le match a été gagné tactiquement. Il y a quand même une très grande considération à l'équipe de Samuel que je respecte énormément. De très bons joueurs talentueux. Il y a eu un challenge. Le challenge était clair. Bon, on connaissait un peu leur jeu, on connaissait leur force, leur faiblesse. On avait visionné le match à plusieurs reprises. On a vu quand même les lacunes qu'ils avaient. Même s'ils ont quelques joueurs qui n'ont pas pu faire partie de ce match-là, mais il reste quand même, c'est une équipe qui a de très bons remplaçants. C'est clair. Avec un très bon entraîneur, un très bon staff technique. Nous, on a travaillé sur nos forces et nos faiblesses. Et leurs forces et leurs faiblesses. Alors, ça a donné un petit résultat qu'on prend avec plaisir.